RCF. Organissimo, le magazine de l'orgue avec Stéphane Zeck. Bonjour chers auditeurs de RCF. Je vous retrouve aujourd'hui autour d'une grande figure de l'orgue en France, mais aussi dans le monde. J'ai nommé Olivier Latrie, organiste de Notre-Dame de Paris depuis 1985, où il a succédé à Pierre Cochereau à l'âge de 23 ans. Il est aussi professeur d'orgue au Conservatoire National Supérieur de Paris, où il a été nommé 10 ans plus tard, en 1995. Je lui ai déjà consacré une série d'émissions, il y a quelques années, en 2016 et 2017, mais je voudrais vous en reparler à l'occasion de la sortie d'un coffret publié en 2022 et consacré à tous les enregistrements qu'Olivier Latrie a réalisés pour la firme Deutsche Grammophon. Ce coffret nous présente 9 CD, dont un comprenant des inédits, enregistré à Notre-Dame lors des séances d'enregistrement de 2 autres CD, Midnight at Notre-Dame et In Spiritum. Le programme nous présente donc 7 pièces inédites et je voudrais vous en présenter ici 3. Pour commencer, une pièce de Johann Sebastian Bach. Il s'agit du choral final et d'une fugue, extrait de la cantate Ich hatte viel Bekümmernis, qui porte le BWV 21, et il s'agit ici d'une transcription pour l'orgue de Franz Liszt. Thank you.
après Bach, voici une pièce de César Franck, l'offertoire en si majeur. C'est la première pièce des 5 pièces pour harmonium opus 23. Olivier Latry nous joue ici cette pièce dans une transcription pour orgue de Louis Vierne, un autre de ses prédécesseurs au clavier de l'orgue de Notre-Dame. Thank you.
Découvrons maintenant une troisième pièce parmi les enregistrements inédits de ce coffret Deutsche Grammophon de Charles Valentin Alcan, compositeur français du 19e siècle. Nous entendrons l'Andantino en mi majeur. C'est le numéro 11 des prières, opus 64, et transcrite pour grand orgue par César Franck. Olivier Latry est toujours au clavier de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Thank you.
Et enfin, en complément de programme, je vous propose une petite pièce d'Olivier Messiaen. Les anges, sixième pièce de la Nativité du Seigneur. La Tri a sorti l'intégrale de l'œuvre d'orgue de Messiaen en l'an 2000, et c'est vraiment une référence pour la musique d'orgue de Messiaen qu'Olivier Latry admire par-dessus tout. Vous aurez pu entendre au cours de cette émission des pièces qu'Olivier Latry nous présentait à l'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris et repris du coffret de ses enregistrements réalisés pour la firme Deutsch Grammophon. Au revoir. Organissimo, le magazine de l'orgue avec Stéphane Zeck.